Avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous demander de vous abonner à ma chaîne, de lâcher un petit pouce bleu et de marquer ce que vous en avez pensé en commentaire. Ça me ferait vraiment super plaisir. Allez, on commence la vidéo maintenant. Salut à toutes et à tous les amis. Aujourd'hui, on se retrouve dans un épisode dans lequel nous allons ouvrir une petite box en métal de Soleil et Lune Légende Brillante. Donc ce seront mes premiers boosters Légende Brillante. Donc je vais vous expliquer ce qu'il y a dans cette magnifique boîte. Il y a donc 3 cartes brillantes de Pikachu, Latios et Latias, 5 boosters légendes brillantes et plein d'autres surprises que nous allons découvrir maintenant. Donc ce sont mes premiers boosters, c'est ma première lunchbox Pokémon. C'est vraiment beaucoup de commencements sur cette petite box ici. Et on se retrouve juste après le déballage de cette belle boîte. Donc c'est bon, j'ai ouvert la fameuse boîte. Ok, donc on la déballe. Vous vous doutez bien que je l'ai eu chez Auchan. Oh, attendez. Vous vous doutez bien que je l'ai eu chez Auchan, hein, le 10 juillet. Parce qu'il y avait la petite promo en plus, c'était vraiment hyper bien. Donc voici les 3 cartes qui sont incroyables. Elles sont vraiment hyper jolies, l'holographisme est incroyable. Donc je vais mettre ça sous protège-carte juste après. Je les mets sur le côté pour pas trop embêter. Donc regardez ça. On va le mettre à l'envers, la boîte. Comme ça vous voyez, hop. Donc ici, les 3 petits boosters légende brillante. Encore 3 petits boosters légende brillante. On enlève un autre plastique. Ici, des petits crayons légende brillante. Vous voyez, je vais vous en présenter un juste après. Donc vous voyez, ici, on voit, il y a Mew et Pikachu. Sur les autres, il y a Mewtwo, Rayquaza et Genesect. Vous voyez, voilà. Ensuite, qu'avons-nous? Hop là, un carnet. Donc ici, c'est un mini poster, on va dire. Ici, c'est des stickers. C'est des stickers à côté, pardon. Nous avons ensuite un beau petit carnet. Et nous avons le fameux mini classeur qui est hyper stylé. Donc, hop, je range la boîte. Je la garde bien précieusement. Bien sûr, j'en ouvre une. Vous vous doutez que j'en ai une deuxième. Parce que j'ai quelqu'un d'autre de ma famille qui a pu y aller. Je m'attends à pas grand chose parce que je sais que les quotas dans cette extension sont très très bas. Mais donc on espère au moins avoir une petite ultra rare. Ça ferait vraiment plaisir parce que ce serait ma deuxième brillante. Pourquoi ce serait ma deuxième brillante? Parce que j'ai déjà une brillante mais de Néo. Donc de la série Néo. Putain, j'y arrive pas. Pas en ce moment, pardon pour le gros mot, j'arrive pas à ouvrir. Déjà une brillante de la série Néo, j'ai Stylix brillant de Néo qui est très beau, mais qui est dans un piteux état. Je vous donne le petit code 2, 3, 4 devant. Ouais, il est dans un piteux état. Je pense que en PSA il est genre 5, donc c'est un peu dégueu. Et bon, allez, on commence. Energio. Attrape Pokémon, énergie distorsion, électrode, Quillfish, Limonde, le magnifique Bulbizarre qui est également dans les 25 ans chez McDo, le Gringolem, le Voltorb, le Palkia et rien du tout, un petit Marshadow, très joli, et Palkia en rare reverse, très intéressant, ça c'est très cool, ça c'est vraiment très cool. Ah, j'ai commencé par un Rayquaza, j'aurais dû commencer par un Mewtwo. Ouais, on a 3 Mewtwo et 2 Rayquaza. Bon, pas ouf. Petit code online. 1, 2, 3. On espère au moins une petite brillante, ce serait cool quoi. Même une GX, même une petite GX, ce serait vraiment hyper bien. Allez, énergie électrique, électrode, Léopardus, double énergie incolore, Chapignon, Voltorb, Flamiaou, Chacripan, Zorua, attrape Pokémon en reverse et... Oh, on a quelque chose? Ah non, on n'a rien. C'est juste que je pensais
vu que l'étoile était blanche. Mais non, c'est mais c'est une holographique par contre. Ah ouais, et le marchado aussi, j'avais pas vu. Mais c'est juste que sur les ténèbres, on a l'étoile est en blanc. Enfin, l'écriture est en blanc parce que sinon on voit rien du tout. Si vous aviez jamais remarqué, voilà. Mais en vrai, là, on est déjà pas mal. En vrai, de vrai. On est pas mal. Parce que on a quand même deux holos et une rare reverse. Donc, si on a une ultra en plus, on est vraiment très bien. Allez, on commence. Énergie, combat. Arbok, super rappel. Chris, Flamiaou, Pyronie, Chapignon, Matoufeu. Matoufeu qui est une commune comme Flamiaou, très bizarre. Posipi, encore Flamiaou, et là on a le petit Raikou holographique. Mais vraiment, par contre là j'ai vraiment 3 holos. C'est incroyable, je sais pas si c'est normal d'avoir autant d'holos. Mais 3 holos en 3 boosters, c'est pas mal. Soit j'ai de la chance, soit c'est normal. Je pense que c'est normal. Putain, j'ai défoncé le booster, pas grave. Allez, peut-être une brillante, peut-être. Ici, petit code. Tac, tac, tac. Devant. Et petite énergie électrique. Bagaïde. Récupération d'énergie. Double énergie incolore. Bagiguan. Matoufeu. Posipi. Mustéboué. Le beau Kaiminus. Shaymin en rare reverse. Mais c'est incroyable ça. Et ici. Shaymin encore. Les deux Shaymin. Dans un même booster. C'est des holo reverse du coup, c'est génial. Bon, en vrai, j'ai deux rares reverse, ça vaut déjà pas mal. C'est déjà pas mal, c'est déjà assez rare. C'est aussi rare qu'une GX normalement, une holo reverse. Bon, c'est toujours mieux d'avoir une GX, mais... Allez. Peut-être, dans le dernier booster, peut-être au moins une brillante. Même un Jirachi brillant qui est pas très très beau. Je l'aime bien. Je le veux bien. Allez. El Famoso dernier booster. Énergie Psy. Attrape Pokémon. Énergie Distorsion. Electrode. Crocodile qui est très très beau. Pikachu. Abo. Zorua. Mustéboué encore. Et ici, double énergie incolore. Et encore IE. Ah, ou pas. Très très joli ou pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous en remercie vraiment énormément. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu et aussi à donner votre avis en commentaire. Je galère à parler, c'est génial. Je vous dis à la prochaine. Salut !